Victoire des républicains. Forte abstention. Un pourcentage moins élevé pour le Rassemblement national que prévu, ou annoncé par certains. Et une République en marche qui a peiné à recueillir les voix des électeurs. Alors, est-ce que pour autant une gifle contre le président? La réponse, c'est non. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections régionales, c'est des élections locales. Et que les représentants des partis républicains, notamment, par exemple, sont des personnalités qui sont en place depuis longue date, contrairement aux représentants de la République En Marche, qui souvent sont de nouveaux personnages. Et dans des élections locales, il est important que les personnes soient des personnes connues. Preuve en est le cas de Mariani, qui, pour se présenter dans la région PACA, a maintes fois se justifier qu'il était bien l'enfant du pays afin de recueillir un maximum de voix. Donc, est-ce que c'est une gifle contre le président? Pour moi, de mon analyse à moi, non. Il y a bien sûr un mécontentement, mais c'est pas la raison principale. La raison principale du faible pourcentage de voix pour La République En Marche, c'est que c'est un parti jeune. Tout simplement.